une discussion et puis le demain matin, qui t'apprend lundi matin, à 1h du matin, monsieur Guillaume a téléphone. Monsieur dit, faut nous avancer dans la question. Hein? Je pense qu'il faut que je relève Ariel. Parce que depuis nous accepté, demain, si Dieu veut, je signe arrêter Ariel. Là. Est-ce qu'on parle à Dera? Je dis, président, ne vous en faites pas de Dera. Je parle à Dera. Dera, c'est pas moi. Bon, ça qui est important pour nous. Et nous pas besoin, c'est pas occupons espace en dedans, gouvernement. C'est arriver, joindre un monde qui est capable, au moins, permettre que nous arrivions dans certaines normalités pour nous adresser les problèmes qui sont là. Et surtout, élection, parce que nous pas qu'à permettre nous pour nous traîner le pays à côté de poids là. Et puis, c'est comme ça. À 1h du matin, pendant que monsieur le téléphone avec, monsieur Rélé Beauplan, Rélé Josué Pierre-Louis, Rélé Dera, et puis nous Rélé Ariel. Et il dit Ariel Sambal dit là. Il dit Pem, ah, le ça ou pas dormi, bah, ça yo, donc, m'pas sauté quand t'as dormi. Pem, il dit non, bah, ça ou pas. Et puis, monsieur Bal dit que, à partir de coup de fil ça, là, m'capable dit au premier ministre, demain, m'absigne arrêté. Parce que, moi, j'ai souni là, avec là. Walson Sano, Evalier Beauplan, Simon Jessel de là. Il pas parlé de José. Il dit, je ne vais pas parler de Walson parce que Walson n'a pas jamais intéressé à la question poste. Mais deux mouns avant parlé là. Ni Beauplan, ni Dera, c'est deux premiers ministres. Pour cela, ils sont d'accord avec moi. Et c'est parce qu'ils sont d'accord qui fait que je suis capable de dire au premier ministre. Ou chita avec Mounsayo pour former le cabinet. Donc, c'était une. Chances de ce genre. PM n'a pas allé, président n'a pas allé, etc. Et puis, de voir PM n'a allé, nous étions dans la conversation jusqu'à peut-être 3h du matin, parler toutes qualités de questions, adresser problèmes, etc. Donc, bref, c'est pour montrer que nous avons été consultés. Mm-hmm. Et ceci, ce n'était pas une simple consultation. Pour moi-même, c'était une consultation. C'était une implication. C'était une implication. Et nous avons endossé, assumé que Ariel, par transversalité, il était capable au moins de garantir un minimum en termes de ça, nous avons carré un équilibre pour nous joindre. Une stabilité pour aller vers la stabilité pour. Mais maintenant, vous expliquez l'histoire, je ne sais pas comment on est capable. Donc, ça, vous remarquez, pendant qu'en force, l'in dans le gouvernement, ça, on dit que PM n'a pas légitimité. Maintenant, qui ça pour nous comprendre? Non, il faut rectifier. Je ne dis pas que PM n'a pas de légitimité. Ça ne dit jamais nulle part. Je n'ai jamais dit que le PM n'a pas de légitimité. Moi, ouais, quelque part, que vous dites que PM n'a pas de légitimité pour signer un quel accord? Qui c'est différent? Ah oui? Capacité que le gagne pour signer, pas de problème. Non, si vous parlez de manière séparée, il y a l'autre connotation. Pas de problème. Allez vers le texte, il faut aller vers le texte. Oui. Et puis pour dire exactement. J'ai vu le texte, c'est ça que fait justement moi une capacité pour me reprendre. Disant quoi? Écoutez, PM Ariel Henry, à lui-même seul, pas qu'une capacité pour signer accord. En dehors? Oui, c'est-à-dire le conseil des ministres. Moi, je suis d'accord sur ça. Donc, il n'y a pas de légitimité. Moi d'accord. Parce que lui-même, il va aller seul. Moi, je dis tout par rapport à contexte ça. C'est ça. Ou d'accord. Parce qu'il va aller seul. Il faut. Donc maintenant, qui ça pour nous comprendre dans ce sens ça? Non, mais ça, on doit comprendre. Yeah. Ariel, premier ministre, n'est-ce pas? Yeah. Président, lui empêché, lui, selon l'article 149, là. Président, lui mourit. Yeah. Donc maintenant, on recourit à l'article 149, là, qui dit que. Le conseil des ministres l'a gardé pouvoir pour arriver faire élection dans 120 jours. Donc aujourd'hui, Ariel, premier ministre, mais c'est le conseil des ministres qui détient le pouvoir. Ce n'est pas, c'est pas docteur Ariel Henry en lui-même seul qui détient le pouvoir. Donc maintenant, c'est peut-être ça. Moi, je dis que c'est le conseil des ministres-là qui baille le ton. Lorsqu'on prend une décision, il faut que la décision soit sanctionnée d'abord par le conseil des ministres. Le premier ministre, c'est le premier des ministres. Yeah. Et article 133, je crois, de la Constitution, il dit que le pays est dirigé d'abord
par un président de la République, qui est chef d'État, ensuite par un gouvernement, deuxièmement, ayant à sa tête un premier ministre. Mm-hmm. Il faut voir d'abord le président, le gouvernement, et ensuite, ayant à sa tête un premier ministre. Premier ministre, ou t'es là fin nommer tout ministre et pour choisir on a donc mettre comme premier ministre, c'est lui qui a coordonné. Donc, et c'est pourquoi c'est le conseil des ministres qui détient le pouvoir. Et c'est en vertu de référence à, moi dit que le premier ministre, là, pour contre lui, il n'est pas capable de décider pour joindre un accord sans aval conseil des ministres. Là. Est-ce que nous présents à quoi l'a fait là, ou même sénateur Boublan, sénateur Bastien? Non, 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 pas présents. Nous soulignons maître Josué Pierre, lui, que nous profitons de saluer. Est-ce que nous en discussion là, nous en négociation? Non, nous pas en négociation. Nous passé, parce que dans cet accord, non, et nous pas consulter. Nous pas consulter. Et ma parole dit honnêtement, et nous-mêmes en tant que citoyens, que le relais Josué Pierre, lui, que le relais Evalier Boublan, que le relais Kelly Bastien, depuis un certain temps, nous prenons toute une sorte de recul par rapport à ça nous est carré une logique pouvoir. Mm-hmm. Nous voulons que dans la phase paysan est là, nous besoin de manière comme si impérative, un minimum entente entre les forces vives pour permettre que nous sortions côté nous là. Et c'est ça que fait. Nous chita avec mon société civile. C'est pour moi-même que m'encourager de ma ça. Et nous travaillons dans monter document ça. Nous faisons plusieurs séances avec eux. Le document nous a été soumis. Nous travaillons sous lui, nous corriger, nous faisons des séances ensemble avec eux. Et ça, les mécanismes étaient peut-être beaucoup plus denses. Nous avons formulé des réserves. Nous avons cherché travail sous mécanisme pour permettre que. Le plus simple. Le plus simple. Et rapide. Donc, hein? Nous-mêmes, nous, t'es quoi dans des masses? Et encore, nous quoi là-dedans? Nous travaillons avec sénateur Lambert. Nous travaillons avec sénateur Yuri Latortue, que le relais tout. Nous travaillons avec Sorel Hyacinthe. Nous chita, nous parler ensemble. Sous nécessité pour nous joindre un accord qui largement large pour permettre que nous sortions dans trou côté nous hier. Donc, nous avons adhéré à démarche à Komondana. Pour qui ça nous parler de lui assez souvent, c'est parce que lui son plateforme qui plus ou moins est en fait complet, relativement complet. Pour qui ça me dit ça, c'est parce que un, il y a dans des partis politiques, il y a la société civile, il y a les associations, les organisations socio-professionnelles, il y a tout un ensemble de secteurs dans la vie nationale là, qui participaient là-dedans. Donc, moi-même personnellement, je parlais avec le Premier ministre Ariel en deux ou trois occasions. Et nous t'attendons tout. Nous t'as pas fait même bagarre, nous t'as pas envoyé document à cause ça que nous gagnons pour au moins nous garder tout. Parce que nous c'est de citoyens. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Ok, ça n'a pas été fait. Et mon quoi tout, peut-être même des ministres dans le gouvernement et pas de gens qui pas au courant. C'est tendu ou tendu. Finalement, ça ne comprend que le vrai fait dans ce sens ça. M'pas rien pour m'interpréter qui ça que premier ministre le fait. C'est lui seul qui connaît qui ça le fait parce que je n'ai pas la science infuse. Sauf que nous à partir de comportement ça, nous dit que son erreur grave. Il pourra le faire peut-être les longs mais. Et dans l'échange que j'ai gagné avec le Premier ministre, je t'ai toujours dit, Premier ministre, il faut qu'on d'abord analyser le type de pouvoir qu'on gagne dans le monde. Son pouvoir que le Premier ministre a gagné avec le Conseil des ministres pour permettre que nous arrivions vers une normalité. Et normalité, nous pas qu'à joindre l'autre côté, c'est une entente, un accord entre les différentes forces vives de la nation qui prend le bal une certaine légitimité pour prendre une série de décisions. Pour qui ça? Parce que toute référence légale, constitutionnelle et institutionnelle, y a pas de mise dans le contexte actuel. Et ma parole d'un autre bagage encore, on a débat qui est assez important. Après 120 jours, ce sont l'autre calcul qui pour faire. Parce que après 120 jours, le Conseil des ministres il doit démettre les deux pouvoirs. Ça doit être clair pour nous. Pour qui ça? Constitution ou bien constituant
yo dit que faut conseil des ministres capable qu'embe pouvoir non espace de 120 jours parce que la tête yo c'est le président qui est empêché, c'est le président qui mourit par accident quelconque, mais par contre l'État, les structures, les institutions de l'État, ils sont encore debout. Mais dans ce contexte précis, ou pas gagner le Parlement, ou pas gagner la justice. Donc ça veut dire l'État est presque inexistant. Le reste qu'on était, ou on reste du Parlement, qui c'est les 10 sénateurs, ou on reste de l'exécutif, parce que Premier ministre Ariel, par le fait qu'il a été nommé par le président, il a une légitimité indirecte. Il n'a pas son ampliation jusqu'à cette présente minute. Ampliation, c'est un autre débat. Tu vois? Mais par contre, puisqu'il a été nommé par le président, il a gagné une légitimité indirecte. Nous gagnons les juges de la Cour de cassation. Ils ont même tout, ils ont détenu une certaine légitimité indirecte. Parce qu'ils ont été élus, choisis. En référence à constitution et par les élus formellement ou bien conformément à ça la loi te dit. Donc là maintenant Premier ministre Ariel doit jouer un intelligent et ma pral dit nous ça moi-même personnellement moi te dit. Alors avant dit il y a un auditeur qui a demandé pour président Jean donc dit Marco pour aller jeune tout à l'heure mais ma dernière question m'a plutôt avancé et puis vous me poser. Très bien. Donc, moi-même, dimanche, qui se passait là, moi parlé avec chef cabinet pour le ministre. Qui c'est? Monsieur Satuné. Satuné. T'es rencontré. Et moi t'ai suggéré le bagage. Moi t'ai dit que, journée jodien, nous gagnons peine qui présentait un accord, une résolution. Nous gagnons société civile là. Commission société civile qui présentait un accord qui relativement large, moi dit moi crois que primature au lieu pour la présenter un accord lui-même personnellement, il t'a supposé faire appel à deux groupes sao pour chita ensemble pour nous chercher un accord qui est capable. C'est un comportement ou rassembleur. Mais c'est sa mission. Parce que en tant que premier ministre, il vient jouer rôle, je ne vous dis comme un chef d'État entre guillemets. Donc il a une responsabilité pour aller chercher accord politique ça. Mais c'est automatiquement, moi te dis ça en baldou là, me dit automatiquement primature présenter un troisième accord. Là maintenant, automatiquement, il concéder ce pouvoir à un tiers quelconque qui pour trancher parce que primature pas qu'à juge et parti en même temps. Donc moi dit que si nous allons dans des machins c'est pas pour moi-même une erreur politique grave de dire de discuter ça ensemble avec lui. Donc c'est tout ça qui explique aujourd'hui que moi-même n'a pas défendre principe nous pas capable accepter que premier ministre Ariel en dépit de tout ce qu'on raconte tout ce qu'on dit il va le regrouper autour de lui ses amis ses anciens amis et si nous regardons tout le monde qui là au capable signer accord avec premier ministre Ariel c'est deux monde soit qui était dans unité dans vérité dans fusion dans PHTK c'était avec mais Jovenel était kafel parce que Jovenel t'a ba ni moi-même ni beau plan pression pour nous faire un accord avec y compris que Li Bastien pendant ce temps il y avait aussi ces éléments précités que vous terrez de gens de vérité et les alliés PHTK et alliés. Nous avons dit, président, non, ce n'est pas possible. Il faut que nous gagnions un accord politique côté que, au moins, les forces vives sont représentées à l'intérieur de l'État. Mais est-ce que le président Martelly et Lini Baltazar, qui supportaient Pierre-Marie-Henri, oui, est-ce que ça va avoir une force pour que le senti il plein qu'on veut et n'a pas avancé? Ça ne va pas dire rien parce que. Et Lini Baltazar, c'est un citoyen, au même titre que moi, un chef de parti, au même titre que moi. Il n'y a pas grand force en plus. PHTK. Même où elle était au mandat de lui, alors. Bon, donc, tout ça aussi. Tout ça aussi, parce que question mandat, c'est important. Et même par rapport à Premier ministre aussi. Bon démarche qui, pour moi-même, intelligent, qui t'a supposé faire. Le fait que nous avons un président qui est assassiné, que je n'ai pas dit un pays. Doué connaît comment président assassiné. Haïti doué
Jovenel Moïse justice. Et responsabilité ça, il revient à les autorités. Mais si une enquête qui en cours, si il y a deux monde ou bien deux groupes monde que c'est la police ou bien que c'est la justice qui indexe yo, moun sa yo, yo doué non situation pour yo bay explication. Tout autant où la justice pas dit que moun sa yo, yo pas coupable dans un sens ou l'autre, moun sa yo pas cap entraver processus de, Est-ce que PM Ariel Henry pas cap en conférence de presse et puis pour le dire que Paul Denis, ancien sénateur Paul Denis, Liné Balthazar, un ensemble de monde que qui était mandat d'ailleurs et puis lui retire mandat, il dit bon monsieur ça c'est de monde que le connaît et donc monde ça pas ca badjo tout bon, et pas ca non ba comme ça jusqu'à présent président CSPN, il va c'est à sa discrétion parce que il est premier ministre, il est peut-être pas seulement premier ministre, il est premier ministre et président en même temps d'après ça constaté et c'est là aussi d'après ça l'a cherché c'est là aussi moi-même désaccord. Je défends des principes. Je ne peux pas défendre Ariel et je n'ai aucun problème avec Ariel. Bon, et d'autres avant d'aller, parce que je vais aller, président Jean-Paul Jeune, donc je vais profiter de saluer un jeune qui remercie, c'est Romual Eliassin et son ensemble de jeunes que Dr. Claude Joseph, qui est en série de cadres qui est dans le ministère des Affaires étrangères, qui est à la formation dans l'université à l'étranger aux États-Unis. Donc je remercie PM non, donc, pour ça qu'il a fait. Mais avant d'aller, est-ce que vous sentiez accord que bon ensemble de partis politiques pral sien avec PM Ariel Henry, est-ce que vous sentiez si accord ça sien, ça baille PM Ariel Henry, autorité, capacité pour le révoquer, pour le remplacer un ensemble de ministres? Est-ce que déjà ça mettait légal, monsieur bien chita dans bol Gressli, vous comprenez? Et puis l'a bien avancé. Qui ça n'a pas cherché? Et qui ça, docteur Ariel Henry, doit chercher? Il doit chercher une certaine normalité. Il doit chercher un pays qui est capable plus ou moins d'entendre. Lorsqu'entre l'on démarche comme ça, l'a fait que antagoniser, l'a divisé la société, puis mal. L'a fait créer beaucoup plus de problèmes. Et il est capable de ramener nous dans une situation qui est semblable, et même plus mal, que la situation que nous sommes vivre il y a peut-être un an plus près de nous, avec le président Jovenel Moïse. Et encore, plus grave, pourquoi plus grave? Parce que lors d'une situation de ce genre, où, côté que tout le monde légal, tout le monde illégal, qui est-ce monde qui prend quelqu'un autorité qui pour prendre décision? Qui est-ce monde qui prend quelqu'un autorité qui pour trancher? Nous constater pendant ma parler avant là, c'est que son gouvernement de neutralité, son gouvernement qui est neutre dans toute totalité, il y a absolument aucune action. Laisse-moi vous dire quelque chose. Moi, je suis du Sud. Et de la grandance également. Péninsule Sud n'a crasé pendant le tremblement de terre. Même nous pouvons là, non, l'État haïtien n'a pas acheté. Même nous pouvons là. Donc, tout ça qu'a joué de Mounio, c'est des supports ou bien communauté internationale ou bien de familles, amis qui potaient, qui font des interventions. Ce n'est pas possible. Non, mais il y a un directeur départemental Sud là qui dit que, en fait, l'État t'a fait. Alors, les premières interventions, bien évidemment, tu fais première intervention avec directeur Ouna, j'aime le Marc Jean-Baptiste, donc c'est. Mais écoute, est-ce que pas non, 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 écoute, peut-être il est péché, et peut-être c'est du crétinisme de sa part. Il ne devait même pas le dire. Non, c'est mais c'est pas le jour. Il n'a pas même besoin de dire ça. Écoute, Ouna, son institution, qui capacité Ouna a gagné pour faire une première intervention dans trois départements qui crasent, à ce niveau. C'est grave. Alors, on parle de directeur départemental Sud. Il dit que le directeur est allé avec médicaments, il y a des besoins orthopédistes, il y a la veille, il y a la veille infirmière, il y a la veille l'eau, etc. Ça, c'est ce qu'il a dit, en fait. Ça, c'est pour peut-être un espace pour la vie locale. Yeah. Mais écoute, entre nous, laissez-nous poser le conseil à nous dire ça. Et qui ça nous fait avec Resmounio en dehors qui d'ailleurs la ville locale est moins frappée que toute l'autre commune avoisinante. Et c'est ça que fait me dire moi-même en tant que directeur départemental, on pas t'a dit ça. Est-ce que jusqu'à cette présente minute l'État pas intensifié, pas fait suivi en termes d'intervention président ça non. Jusqu'à ce que peut-être me sorti dans micro là, mon kagon l'autre information. Information. Pas rien absolument rien qui fait
au niveau. Même c'est nèg baradè, c'est baradè que me sorti. Et moun yo, yo abandonné à eux-mêmes. Tu vois? Donc, n'est pas possible. N'est pas possible. L'état synonyme de service, pouvoir synonyme de service. Mm-hmm. Et c'est pourquoi que journée aujourd'hui a position nous là et intervention nous en inscrit dans démarche pour protéger pays. Nous pas capable rentrer dans une dynamique côté que l'état, les ressources de l'état, il parle au service de petits groupes. Ressources de l'état, il est au service de la République, Rex Publica. L'état pas capable au service de un clan. Nous pas capable départager pays en départager l'état. Ça qu'a manipulé, qu'a manigancé là. C'est partage de gâteau. Situation pays en crise nous là-dedans, il pas préoccupé personne. Parce que souci majeur là, il t'a supposé en nous chita ensemble pour nous joindre une formule pour nous retirer tête nous dans trou côté là. Il pas ta doué condition pour qui escape. Parce que l'autre de ça qu'a dit quantité bagaille nèg a mandé pour faire qui ça. D'ailleurs, moi-même qu'a pas la voilà, moi compte que les institutions, les ministères et les directions générales pour aller au service de un parti politique ou bien un groupe politique. Est-ce que donc le ça, l'état pas capable répondre à des idératales. L'argent l'état, il doit pour faire l'école. Il doit pour faire l'université, il doit pour faire route, il doit pour faire l'hôpital. Il doit au service de la collectivité, de la République. Donc, à ce moment précis, il est tard, mais il n'est pas trop tard. Le Premier ministre est capable de ressaisir. S'il voulait, pour jouer le rôle que la Constitution, et très probablement la circonstance, bah, pour jouer, hein, il faut que l'érige tête comme un vrai rassembleur en tant que Premier ministre pour mettre tout le monde chita ensemble pour nous joindre une formule de sortie, pour nous joindre un gouvernement qui est capable de répondre à ensemble de obligations qui vient là. Mm-hmm. Après cette histoire dit que gouvernement monocéphale ou pas, ce n'est pas à Premier ministre Ariel Henry qui pour décider pour dire que c'est un gouvernement une seule tête. On exécutif à une seule tête qui doit gagner. Non, il n'y a pas gagné. Ça parle d'attribution. C'est pas un élu. Bon, même l'élu, il n'y a pas qu'à faire. Donc, nous en plein dans la Constitution de 1987. Même le, à un certain niveau, Constitution est inapplicable. Mm-hmm. Mais par contre, fonctionnement de l'État, il doit recourir autour de Constitution 1987. Mm-hmm. C'est pas à X ou Y qui pour décider. Maintenant, après 120 jours, il y a un autre bagaille qui pour faire. Il faut gagner un gouvernement bicéphale avec un président, un premier ministre qui pour adresser les prérogatives, qui pour prendre responsabilité pour faire élection dans le pays dans moins que dans un an qu'a venir là. Parce que l'impossible. L'impossible. Et seul Jean pour nous sortir côté là, faut que l'élection faite le plus vite que possible. Mm-hmm. Et Jean, Premier ministre pour aller là, la prendre une situation compliquée, pas aucune possibilité pour arriver faire élection pendant que son petit groupe copain, un groupe d'amis qui pral signer un accord, société civile là pas là-dedans, un paquet de partis politiques pas là-dedans, les des gens peut-être qui t'ap collaborer avec Ariel tout. Mm-hmm. Parce que normalement Ariel, je ne vous dis, c'est le prolongement ou bien le restant du pouvoir de Jovenel. Mm-hmm. Vous comprenez? Donc, bon gens pour faire question. Faut qu'Ariel relève à niveau en tant que Premier ministre et comme on est qui ont un certain âge, qui sont sages, pour lui ramener tout le monde autour de la table et pour offrir au pays un accord politique qui prend la légitimité avec un président que nous prenons désigner élu sous une forme ou une autre, mm-hmm. qui prend gain une feuille de route. Qui pral sorti à partir de accord politique nan, et qui pral dit n'a fait élection dans 12 mois ou bien n'a fait élection dans prochain 8 à mois qui rete. Parce que pays n'est pas capable de continuer dans la situation que nous là dans là. Qui est-ce qui a pas adressé ça qui a passé là dans la rue? Question et Genève.
question gang, moun kap kidnappé, c'est sous l'œil passif de tout le monde. Tout le monde abandonné à eux-mêmes. Mm-hmm. Et c'est pourquoi que moi j'étais toujours dit. Le chaos, c'est à éviter. Ou est-ce qu'on rentre dans le chaos, hein, ou par contre, qui joue à sortir là-dedans. Mm-hmm. Ou est-ce qu'on rentre, ou par contre, comment on va sortir. Donc, moi-même, moi crois que l'important à ce que le Premier ministre Ariel Henry fait appel à la sagesse et aussi fait appel à l'intelligence politique pour au moins nous joindre au minimum de normalité pour faire le pays à avancer. Mais c'est ça, non. N'a pas rappelé tout le pays, il y a que aussi coordonnateur en force. En fait, spécialiste en sciences politiques, il a toujours aimé dire ça. Il a en pile en haut défini politique comme rapport de force. Mais il y a l'autre qui dit c'est rapport d'intelligence. En tout cas, pas de problème. Maintenant, on dit que et PM Ariel Henry, en dehors de toute norme, de toute procédure, et même en dehors de, des autres du consentement ou de l'assentiment des autres ministres, puisque il est censé, il y a la police avec, il y a des groupes qui sont avec, il dit adelante. Dans ce sens, nous-mêmes, qui pourra l'éventuel comportement, nous-mêmes en force, qui certainement dans le gouvernement ça. Serait une erreur de sa part. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Président Jovenel te kafel, parce qu'il a une légitimité son élu qu'elle te yé. Et nous, elle a tenté de faire regarder qui s'est passé, qui côté. C'est tout ça qui mène le pays à côté de là. Attitude à adelante, c'est toujours à éviter. C'est toujours à éviter. Mais nous, elle commence. Non, mais écoute, il doit tendre la raison. Faut le camper. Faut le camper. Et s'il pas camper, il va payer les conséquences. Il va payer les conséquences. Qui s'est passé conséquence ça d'après ou en termes de prévision? Écoute, conséquences, il y a venu sous différentes formes. Il y a venu sous différentes formes. Li ka gen en face li un groupe moun qui ka peut-être fait que le regret li te et prend directive ça parce que personnalité li capable exposer à tout prix parce que yon bay pour nous comprendre c'est que yon nan raison qui explique gen un groupe moun qui te supporté Ariel c'est pas ça Ariel lié nous tout reconnaître que Ariel c'est nous un docteur de grande notoriété, c'est un monsieur de bien. Donc moi pas quoi que amour de pouvoir te ka mettre monsieur dans situation pour hypothéquer ça vient comme passé. Donc c'est peut-être ça. Moi même moi pas encourager le continuer dans le sens que le poil est. Moi encourager de préférence font ça ne te carré halte là. Font camper. Font appel à la raison et puis aller chercher tout le monde pour nous jouer un accord politique dans un temps record pour permettre que nous capables, un, adresser question insécurité et deuxième problématique, question élection. Parce que un ensemble de questions, il y a dit là, ou pas qu'à rentrer là-dedans, yo, c'est de projet politique. Tu vois, c'est de pour moi-même, c'est ça nous t'est carré, de projet qui capable. Peut-être projet un gouvernement de 5 ans ou pas qu'apprendre pour mettre à l'intérieur d'un accord politique que nous besoin de manière exceptionnelle pour nous retirer tête nous en bas de l'eau dans trou côté nous là. Donc journée aujourd'hui hein, et m'a prédit encore. Il doit clair pour nous. Un moment pour nous faire là. Donc, moi, encourager le Premier ministre, encore une fois, apprendre à écouter la voix de la raison. En face d'un gouvernement, mais nous, que, comme président en force, ou systématiquement contradictoire à PM Ariel. Non. Lorsque PM Ariel est très accroché à la question exécutive monocéphale, ou dit après 120 jours, le pays a tadoué, donc. Doté tête li de yon exécutif bicéphale. Donc, dans ce sens, ça, ou pas déjà c'est aussi à rectifier. On va pas le dire pourquoi. Comment yon parti politique t'a fait rentrer dans yon espace pouvoir et pour pas même gagner capacité pour défendre les principes? Mais c'est pas à moi de rectifier. Non, parce qu'on dit, non, on dit que nous systématiquement l'opposé de d'Ariel, non. Position mien là, c'est pour position, il y a un monde qui est à l'opposé d'Ariel. Je prends position pour des principes.
je dis que, mais qui ça la loi dit? Vous supposez que Ariel également défend les principes. C'est... quand il dit que c'est le monocéphalisme qui doit s'imposer. Mais est-ce qu'il a qui principe monocéphale là? Non, 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 écoute. Justement, c'est un constat. Non. C'est un constat. Et on a il y a autant d'elle au même titre que moi-même. Non, il ne faut pas le dire comme ça. Hein? Bamdou, l'autre défend nos principes. Il faut principe là, exister pour défendre. Non, mais c'est Ariel. Non. Ou pas qu'à. Non, mais c'est sa position. Non, ou pas qu'à support. Non, écoute, ou pas. C'est sa position. Mais il ne défend pas. Deux positions opposées. Non, je dis. On défend nos principes. D'accord. On dit Ariel défend nos principes aussi. Non, il va défendre. Écoutez, il y a deux oppositions qui s'opposent. Très bien. D'accord. La position d'Ariel qui croit que c'est le monocéphalisme. C'est sa la position. Non, mais certainement. Bah, je viens de. C'est lui. Je viens de. C'est sa position qui prône. Moi, je dis qu'en force, ça défend nos principes. Ah, mais d'accord. On allait. Mais écoute, principe là, mais qui ça le dit? Si Ariel a défendu monocéphale là. Si mais son principe là non c'est ça la défendre. Oui. OK, la défendre pour moi pas un principe, il pas défendre rien. Il pas défendre la leurre tête lui. Donc nous en opposition. Non, pas avoir ça le quoi et ça le quoi. Nous capable on dit on divergence de vue. On différence de compréhension d'une situation parce que moi-même moi crois que monocéphale là, il pas inscrit aucun côté. Il inscrit dans seule logique. Constitution dit que Conseil des ministres n'a pas le pouvoir jusqu'à 120 jours pour faire élection. Donc journée aujourd'hui, un, moi constaté que démarche Ariel n'est pas impliqué le Conseil des ministres, qui c'est une anomalie. Principe 1 que nous défendons. Et deuxième démarche, nous dit que si Ariel n'est pas arrivé à faire élection dans 120 jours, le lendemain, il faut que nous pensions à l'autre bagaille. Parce que là, il sortit totalement dans minimum de légalité ou de constitutionnalité entre guillemets que le gain. C'est ce que je défends. Est-ce que ton problème tout au départ, M. Sanon, oui. Le même principe Ariel t'associe à défendre dans mon monocéphalisme et constitution parler de trois premières années. Certainement oui. Et nous t'associer dans la dernière année mandat président. Certainement oui. Là encore, au départ. Biaisé. Certainement oui, c'est biaisé. Non, je suis d'accord avec vous. Je viens de le dire là. Donc il y a un problème. Toutes les références légales constitutionnelles et institutionnelles, il y a pas de mise. Donc exceptionnellement, quand on reste accroché à question du fait que l'Assemblée nationale n'étant pas existée comme telle à cause de dysfonctionnement du Sénat à cause de dysfonctionnement Parlement, bien entendu. La Chambre des députés n'est pas existée, mais le Sénat, ça siège en permanence. Le Sénat est là comme institution. Maintenant, exceptionnellement, par l'inapplicabilité de cette référence, nous dit que nous sommes capables d'accepter que Ariel Henry, en tant que chef de gouvernement, avec le Conseil des ministres, nous sommes capables de quitter le pouvoir pour faire élection dans les 120 jours qui viennent. C'est ça, c'est la seule référence à nous gagner. Et Jonso dit là, qui occupe pas une référence qui est applicable dans sa totalité. Tu vois? Donc c'est là. Et c'est pourquoi que à chaque instant, moi insister pour me faire appel à la sagesse. Parce que c'est celle sagesse qui a mis nous dehors. Là. Et c'est pourquoi, premier ministre Ariel, moi dit que le Guintan devant encore le café ça. Parce que lors d'un pays où référence légale, yo, constitution, yo, l'État entre dans la situation que lié là, c'est à la société, c'est les citoyens. C'est les citoyens. Ou bon pouvoir de fait qu'il a. Pouvoir de fait, il y a plus grande responsabilité que le gain. Il faut la chercher cette légitimité. Mais il n'y a pas qu'à prendre légitimité à bon petit groupe Zamil. Il faut le prendre avec tout le monde, avec une masse critique de la société. Il n'est pas obligé tout le monde, non, mais il faut une masse critique de la société. Ce qu'il est en train de faire là, ça la honte là, comme. Et en fait, accord politique qui gagne là-dedans, on trio monde qui sortit en dans secteur démocratique là, on trio monde qui sortit en dans secteur démocratique là, avec les amis, les alliés de PHTK, qui semble dire pas là, Liné Balthazar, c'est PHTK, Ariel, c'est PHTK, fusion, Ariel fusion tout, Ariel unité, Ariel vérité. Parce que, soit situé Ariel historiquement, il passait à l'intérieur de. De 4-5 structures. Mais écoute, dis-moi, qui valeur une telle décision gagnée aux yeux du monde entier? Il n'y a pas de valeur. Ce sont des groupes de copains.
et que parallèlement, peu importe que nous d'accord la justice là bon ou pas bon, ou bon président qui est assassiné, gen de moun pour une raison ou l'autre non yo cité, et pays en doué président la justice, il doué la justice. Donc maintenant, l'État même pas qu'à constituer comme obstacle à une telle démarche. Si moun sa yo, yo à l'intérieur du pouvoir, faut que yo sorti. Si moun sa yo, yo cautionné ou bien yo protégé par un groupe ou nan dans pouvoir, faut qu'on libère yo. Jusqu'à ce que la justice dit, nous t'es trompé nous, et que moun sa yo, yo affranchi. Le ça, yo capable de responsabilité engagée yo, à quel que soit sa lia. Mais tout autant, pas gon bagay qui dit, qui retire, et en fait, type d'accusation ça, nous pas capable prendre pour investir yo dans une bataille et à l'intérieur même de l'État, n'est pas possible, c'est de l'immoralité. Tu vois, oui, mais qui vont passer pour la procédure là, c'est qu'on voit ensemble de partis politiques qui pourraient plus signer à monsieur. Mais partis politiques yo ka signé, yo ka toujours signé depuis au vle samedi là. Écoute, moi dit mes dangers, on pas aucun pouvoir pour empêcher là dedans. On doit soit là dans tout, mais qui ça arrive? Et me te dit où est chaos ça nous là dans là depuis 2 ans? On t'a pas annoncé, on dit si nous pas chita ensemble, mais qui côté n'a traîné tête nous. Journée aujourd'hui à nous dans chaos. Nous en plein dans le chaos. Qui est ce monde qui gagne contrôle ça qui passe en bas la ville là? Dis qui est? Dis qui pouvoir l'État, premier ministre, ministre justice, directeur général de la police, que vous gagnez sous ce qui a passé en bas de la ville. Nous pas qu'à faire un pays ça, monsieur. Nous pas qu'à faire un pays ça. Oui. Haïti pas mérité. Est-ce que vous pouvez tout dans la conjoncture ça, vous avez fait l'élection dans 120 jours? Du tout pas. Et c'est peut-être ça. C'est parce que vous pas qu'à faire dans 120 jours qui fait que le premier ministre a une responsabilité pour jouer nos bagages qui sont beaucoup plus larges pour entendre nous sur lui. Il n'est pas en question de. Écoute, moi-même, Ramzo. Où est la situation nous est là? Ariel te doit prêt. Si bon consensus qui joigne, côté que bon masse critique qui adhère là-dedans, même si lui-même pour ta retirer tête comme premier ministre pour choisir un autre monde. C'est un grand. C'est une question de pays. Mais nous allons être bon ça ici. Ah, en fait, et c'est ça qui mène nous là. C'est un grand. Pour qui ça ne pas faire? Ça va défendre là. Qui fierté Ariel gen la, je viens de le dire. Je viens de le dire. Yeah. On tremblement de terre fait là. L'État pas même capacité pour le bail, même on peut là. Est-ce que vous comprenez ça veut dire fierté gen? Dis-moi qui fierté. Il va vous parler de près de 1 million de monde là qui est dans situation de sécurité alimentaire. Mais pour qui ça? Écoute, là où gen pouvoir dans monde, ou gen instrument de service. Mais je vous dis tout à l'heure, l'État est au service de la République. Ou pas capable de gagner l'État qui est au service de un clan ou bien un groupe dans la société. Et c'est moun sa qui jouit de l'État dans toute totalité. Et c'est ça qui fait ou gagner déséquilibre qu'on gagne là. Ou gagner plus de 85% de monde qui dans la misère à couille. Pour qui ça? Moi j'ai pouvoir là même pour que ça m'autorité me pas adresser problématique ça ou on seul gens pour faire. Faut nous changer de paradigme, fonctionnement l'État faut changer, peu importe gens au monde qui comprendre. Tout n'a pas courir derrière l'ONA, tout n'a pas courir derrière APN, tout n'a pour faire qui ça pour alimenter parti politique yo en belli canet banque yo. En termes de service, zéro. On ne doit pas le faire. L'État n'a pas qu'à ça. Ce serait stupide pour qu'ils aient mal voté. Mal voté, mon bon pouvoir pour prendre plaisir, pour occuper famille, amis qui proche madame, et puis moi-même, moi coupé dans la misère. Non. Ça doit renverser. Qui est-ce qu'il prenait-il de Simon Diosel Deja? Simon Diosel Deja, je toujours dit, son citoyen lié. Quelle que soit circonstance, pays en trouver, il faut qu'il y ait deux monde qui est au service de l'État. Il faut qu'il y ait un ministre, il faut qu'il y ait un directeur général, il faut qu'il y ait un autre. Il n'y a n'importe qui.
Maintenant, c'est le comportement qu'il faut questionner. Qui comportement gagne journée aujourd'hui comme ministre? C'est lui. Et c'est pourquoi que me questionner le comportement de Premier ministre Ariel. Qui, pour qui sont là? Mission pour laquelle que vous avez choisi ou l'un, est-ce qu'on va faire? Faut vous chercher une normalité dans la société. Ou pas qu'à venir pour diviser le plus mal. Ou pas qu'à venir antagoniser. Gagnez un accord qui joue avec Moun Montanayo, qui c'est de groupe de la société civile, et son gros travail qui fait. Vous consultez en pile monde, pour ne pas dire presque toute couche sociale en la société. C'est un pas important pour nous retirer pays à la situation de division que nous avons là-dedans. Ou bien les partis politiques qui étaient rassemblés avec Saoul et Obaïtet, non, que les peines, je crois. Premier ministre, là, doué, je ne vous dis. Témoigner grandeur comme premier ministre pour mettre mon chita pour nous venir un accord. C'est pas un premier ministre pour la vie de mettre un accord là qu'on y a. Le premier ministre vient de mettre un accord, un troisième accord. Qu'est-ce qui pourra trancher? La primature ne pourrait pas être jugée partie en même temps. Qu'allez-vous faire de l'offre qu'on a signé un accord là et quand il y a des gens qui signent un accord et Montana, ça va le faire. Il n'y a pas de droit tout. Sopra le prend comme responsabilité pour gagner, pour faire CEP, pour faire élection. Il n'y a pas de droit pour participer là-dedans tout. Ou bien, on a un qui dans la cuisine, c'est une carte comme ça, yeah. Qui c'est Simon de Chandela. Est-ce que dans l'échange ou avec lui explique que pour le ministre, là, aurait été en échange de manière constante avec lui-même qui fait partie du gouvernement, dans l'ensemble des décisions qu'il a prises? Moi, je parle avec Dera, ses amis d'abord. Et en fait, ce qui me met avec Dera est plus fort que quel que soit ça qui était cas. Nous avons toujours amis Dera, nous parler, nous toujours parler tout le temps. Ce n'est pas question ça qui est avec Dera. Dera comme ministre, il m'a toujours dit, vous êtes serviteur de la patrie. Question de principe, moi-même, m'a toujours défendu. Et Dera tout. Il y a pour responsabilité pour le défendre. Parce que faut que